Bonjour Louise. Bonjour Michel. Mais t'as une voix bizarre aujourd'hui. C'est parce que je suis un peu enrhumée. Et toi, t'as pas changé de coiffure? Ça te fait rien? Bienvenue sur Télécanard, la télé qui ne vous prend pas pour des coin coin. Alors Louise, quoi de prévu pour ce début de mois d'octobre? Eh ben d'abord, on va commencer par un atelier jardin patate. Comment tu me parles toi? Non mais ce que je veux dire c'est que on va planter des patates à l'atelier jardin. Oh, quelqu'un m'a appelé? Mais Rémi, arrête avec tes bêtises là, on est en train de travailler. Ok. Ouais. Oui, donc comme je disais, vendredi 7 octobre à 17h, atelier jardin avec Nadine de Véniverdi. On plantera des pommes de terre, donc si vous avez chez vous des pommes de terre qui ont germé, amenez-les. Et aussi des boîtes de conserve vides. Vides comme la tête de Monsieur Patate? Comme la tête de Rémi surtout. Bon, et super. Sinon, vous retrouverez nos animations habituelles. Le Café Louise, par exemple, les samedis 8 et 22 octobre à 11h. Le cinéma des habitants, le 8 octobre à 15h. Le goûter des ados, le mercredi 12 octobre à 16h. Un spectacle pour les tout-petits des 6 mois, samedi 15 octobre à 11h, par la compagnie Les Souris qui dansent. On n'aurait pas préféré Les Canards qui dansent, non? Ouais, mais faut changer aussi un peu des fois. Ok. Et toujours le café blabla tous les vendredis à 14h30. Mais surtout, ce mois d'octobre, ce sera le moment du festival NUMOC, le festival numérique des bibliothèques. Pas vrai, Michel? Oui, tout à fait. Du 15 au 30 octobre, c'est le festival NUMOC dans quasiment toutes les bibliothèques parisiennes, avec plein d'animations partout. Et à la bibliothèque, vous pourrez trouver tous les mercredis et tous les samedis pendant cette période, des animations jeux vidéo, du Minecraft, de l'impression 3D, mais aussi des ateliers Wikipédia, des choses sur le domaine public et plein d'autres surprises. On vous attend nombreux. Eh bah, ça va être chouette tout ça. Voilà, ouais. Je pense qu'on a tout dit et on n'a rien dû oublier là. Non, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve très vite au mois de novembre pour un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas que... Thank you.